Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo sur un nid de frelons qui aurait pu engendrer un accident assez grave. Un arbre qui tombe, du vent, un arbre qui tombe, un nid très gros qui lui fait à peu près 80 cm de diamètre qui se retrouve au niveau du sol. Vous imaginez voilà, ce que ça peut donner. Il y a une société d'élagage qui est venue pour ramasser les branches qui étaient tombées, etc. Ils avaient vu qu'il y avait le nid, ils s'en sont pas approchés et l'un des jardiniers s'est fait piquer, donc du coup, bon, bah, ils ont quitté les lieux et nous sommes intervenus. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça en vidéo. Alors, on va aller en direction du nid. Vous voyez les outillages de la société des espaces verts. Le nid, il est sur le sol, dans tout cet tas de branches. On va l'apercevoir juste après. Bon, la technique fait des siennes. Je ne sais pas pourquoi l'image est verticale et pas horizontale. Donc, vous voyez un très beau nid qui était bah, tout en haut du sapin. Personne ne l'avait vu. Il était à peu près au moins à 15 mètres de haut.
Mmh.